aujourd'hui on est en compagnie de Medus et aussi de Kikmap qui se trouve du coup derrière cette petite caméra. Bonjour tout le monde, moi m'appelle Gioviana et viens de Russie. Bon, aujourd'hui les amis, je vais faire une petite vidéo dégustation du jamais vu sur YouTube. Enfin, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, je sais que c'est du jamais vu. Après, est-ce que demain quand je vais la sortir, il y aura peut-être quelqu'un qui aura passé avant moi, mais j'espère pas. Trop bien. Aujourd'hui les amis, on va déguster des glaces. Déjà, moi j'aime bien. À votre avis, quelle glace? Des sneakers. Non, c'est la grosse glace du monde. C'est nouveau, ça existait pas avant. Ça existait que en chocolat. Des Lindt. Non, Milka, des glaces Milka. Non. Alors venez au congélateur. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Bien sûr les amis, avant de commencer, c'est pas bien de laisser un frigo ouvert, mon grand-père il me l'a toujours dit. Ah ouais? Voilà. Bon, bien sûr les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oublie surtout pas de lâcher le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir, de vous abonner à nos YouTube qui sont en description et au mien bien sûr parce que c'est super important, et surtout de vous abonner à mon Instagram, ça fait juste ici. Non, il s'affiche plus là. Là. Oh, attends. Oh, il est là maintenant. Oh, merde. Qu'est-ce que c'est à votre... Vous avez toujours pas trouvé? Si, moi, je pense que c'est des glaces. Attends, on est en train de voir. Il y a marqué un peu Ferrero Rocher, un peu, non? C'est ça, là. Mais non, c'est les glaces Ferrero Rocher. Mais non. Genre, ils ont sorti des glaces. Mais attends, montre-moi ça. C'est beau en plus, t'as vu? De fuck, des Ferrero Rocher en forme de glace. Trop bien. Il y a le Dark aussi. Ok, mais wow. Et les amis, voilà, ça a été un grand succès à Casino. Et du coup, normalement, il y a une troisième boîte. C'est les Raffaello. Je sais pas si vous connaissez, c'est les Ferrero Rocher blancs à la noix de coco. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Mais vu qu'ils ont eu un franc succès, du coup, il y en avait plus. Donc du coup, s'il y a 3000 likes en dessous de cette vidéo, je goûterai aussi les Raffaello. Ok. Mais il faut qu'il y ait 3000 likes. Du coup, va vraiment l'acheter, ton plus gros pouce bleu. Juste ici, le pouce bleu. La main dans tout de suite. Tu l'as ton plus gros pouce bleu. Par quoi on commence? On va de suite découvrir à quoi. Oh, ça fait comme des magnums. What? Il y avait un truc de... Je me suis fait chier pour rien quoi. Regardez déjà les amis le packaging. On retrouve du coup pour le classique, hop, le petit packaging. Oh. Et pour le dark, le packaging marron. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir Pixel? Regarde, c'est à manger. On commence par laquelle? On commence par laquelle, Pixel? À toi de choisir. Pixel? Celle-là? La dark. Ok, allez. Alors, comment est-elle? Attends, moi aussi je suis pressé, mais elle est grande. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Ouais, mais elle est grosse. Regardez ça, les amis. Oh, ça sent tarpin bon. Oh, ça sent le chocolat, mais là. Sans. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Sans Pixel. C'est tellement. Oh, petit coup de langue sur la glace. Bon. Elle est vraiment belle, genre on n'a rien d'autre à dire, c'est du chocolat noir avec des petits copeaux de noisettes. De noisettes. Voilà, et du coup on va passer à la classique. Ok, la classique, mais attends, c'est quoi? C'est la normale, elle est au chocolat noir, c'est comme les Ferrero Rocher. Là c'est au chocolat au lait. Et là... Et si on en prend deux les gars, ça fait chocolat au lait. Olé olé. Ah, bon bah c'est le même, sauf que du coup c'est du chocolat au lait. Voilà la différence. Oh, quoi, la couleur, elle est plus... Pixel. On voit clairement la différence. Ouais, quand même. Oh, j'adore cette odeur. T'as perdu un bout de chocolat? Attendez-moi. Non, je le goûte. Non. Oh putain. Déjà je peux vous annoncer qu'il y a un putain de goût de Ferrero dans ce putain de chocolat. Bon alors les amis, vous voulez commencer par laquelle? Moi j'ai trop envie de commencer par la dark. La dark. La chocolat au lait, moi. Okay. Ah ouais? Bah chacun son tour, vas-y. Attendez, je goûte, je commence, Vas-y, bah attends. Oh, c'est croustillant déjà. Oui, déjà, tiens. Putain. Tu sais, on aurait dit quoi? On aurait dit comme dans la pub. Tu sais, quand ils font genre au ralenti, genre... Elle a fait pareil. Oh là là, regardez. Ouais. Un orgasme. Est-ce que c'est jouissif? Tarpin. La mousse, enfin la glace à l'intérieur, je sais pas c'est à quoi, mais ça a vraiment le goût Ferrero. Genre on dirait qu'on a mis un Ferrero au congèle. Ah ouais. Alors là c'est au chocolat noir. Alors moi, je tiens à vous dire un truc par rapport au chocolat noir. J'ai horreur du chocolat noir. Non mais goûte quand même. Non, je ne peux pas. Chocolat noir, si vous voulez chocolat. En fait, je joue au lait.
On dirait vraiment un Ferrero glacé en fait. Ouais. Mais genre moelleux et tout. C'est... Mmh. 9 sur 10 maintenant. Ah franchement, bon, j'avoue que je suis pas non plus fan du chocolat noir à fond. Celle-là, je lui mettrais, allez, un 9 sur 10. 9 sur 10 quand même. Ouais, parce que vraiment, ils ont vraiment réussi à faire vraiment la compo du Ferrero, genre vraiment. Oh mais regardez dedans, il y a des genres de filaments comme ça, enfin des... Oh. Ça fait un genre d'escargot. Smooth. Glace onctueuse. Saveur noisette avec marbrure. Attends, noisette et noix de coco. Dessous, en fait. Et coco. Et non. Et cacao. Cacao, coco. Bon, les amis. Normal. Moi, je vois qu'il y a un. J'étais en train de parler à mon chien là. Ouais, mais je pense qu'il y a une glace ici. Ah, toi, t'attends parce que tu toi, veux. Toi, tu veux la goûter en fait. Mais c'est encore moi, je vais goûter en premier. Vas-y, vas-y. Ah, moi, je suis chaud. J'adore le chocolat au lait. Ça se rapproche pas plus du Ferrero celui-là que celui-là. Parce que lui, du coup, il est normal, quoi. Bah, en vrai, ça dépend. Si tu manges un Ferrero on fait toute la glace, ou un Ferrero normal. Mais... Ah, ça existe les Ferrero Dark? Moi, je connais que les normales, moi. Non, ça existe. Dans la boîte Ferrero Collection. Ah, oui. Mais moi, j'ai jamais acheté de... Tu sais qu'ils font aussi une nouvelle truc, c'est-à-dire que les Ferrero, mais Dark Vador. Yes. Elle est bonne, hein. Celle-là est bonne. Mais moi aussi, je veux, là. Par contre, je suis juste un peu déçue. Celle-là, c'est exactement la même que ça. C'est juste le chocolat en fait extérieur qui change. Bon allez, à moi de goûter. Mâche, tu vas voir le Ferrero d'un coup, là, ça va faire froid. Voilà. Si tu mangeais un Ferrero normal. Un Ferrero glacé en fait. Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est génial. C'est trop bon. Poupoum, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon, je kiffe. T'imagines. T'imagines le Ferrero. Non, regarde pour qu'elle imagine. Là, imagine. Bon, une note. Moi, je mets 10 sur 10. Celui-là, franchement, bah, c'est 10 sur 10. Hein. Mmh. C'est vraiment un Ferrero glacé, en fait. Je lui mets un 10 sur 10. Je lui mets un 10 sur 10. Je connais pas. Et dis-moi, Manon, pour ces deux paquets, tu les as pris combien, les deux, là? Ah, parce que... C'est vrai que ça c'est très bon, ça c'est vraiment très bon. Ouais. Vous voulez savoir quelque chose? Si c'est 10 euros le paquet. Ouais, on veut savoir. Je les ai pas payés. Parce que c'est sponsor. Les a volés. Parce que la caisse ne marchait pas. Mais what? Quoi? Raconte-nous. Alors je vous explique la petite anecdote. En fait, vu que moi j'étais avec Pixel dehors, c'est Pika qui a été chercher les glaces. Et du coup, Pika il m'appelle, il me dit ouais, c'est 3,25€ le paquet. Je dis ok, pas de soucis. Bon, j'avoue quand même 3,25€, il n'y a que 4 glaces oui, dedans. C'est vrai. Imaginez, ça fait un peu plus de 50 centimes la glace, hein, quand même. Hein. C'est vrai, voilà. Mais après, pour c'est goûter... pas donné. Mais bon, voilà, on sait que c'est la marchandise, c'est comme ça, c'est le commerce, mon frère. Et là, il arrive à la voiture tout content, il me dit, oui, j'ai pas payé les glaces. What? Alors non, il dit, ça comment ça se fait, t'as pas payé les glaces, tu vois. Pikachu, t'es un voleur. Pikachu, il a mis ça dans ses poches. Non, je rigole, les amis. En fait, Pikachu, il est arrivé à la caisse, il a scanné ses articles, il a passé sa carte. Et là, la caisse, elle a bugué. Du coup, la caissière, elle est partie chercher quelqu'un. Enfin, vous savez, c'est les caisses automatiques. Hein. Du coup, la femme, elle est partie chercher quelqu'un et tout. À côté de lui, il y avait le vigile. Après, la femme, elle revient avec quelqu'un. Et la caisse, elle s'éteint encore une fois. Du coup, elle repart et le vigile, il repart. Et Pika, il a attendu 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il a dit, vas-y, c'est bon, ils sont pas revenus. Et du coup, il est parti. Du coup, il a pas payé. Voilà. Donc en gros, il a pris les glaces, il est parti. Il est parti. C'est vraiment bon. C'est et tu m'as dit qu'il y avait un troisième parfum. Il y a un troisième parfum, les gars. Du coup, j'avoue, j'ai trop envie de la goûter. Ça s'appelle Raffaello. Moi, les gars, perso, Raffaello, c'est mon Ferrero Rocher préféré. Genre, c'est le truc à la noix de coco. Et en fait, du coup, j'aimerais bien la goûter pour savoir en fait la différence. Parce que du coup, vu que c'est pas la même texture à l'intérieur, sûrement qu'il y a un truc qui change. Ça se trouve, en plus, parce que je crois qu'à l'extérieur, c'était tout blanc avec des morceaux de noix de coco. Ça se trouve, la glace est toute blanche avec des morceaux de noix de coco et tout. Et ça... Faudrait essayer. J'aimerais bien voir, ouais. En parlant de noix de coco, mon petit geek map. Oui. Oula, ça va parler de drogue là. T'as pas acheté une petite noix de coco? Oui, est-ce que tu veux qu'on l'ouvre en vidéo là? Pour cette fin de vidéo. Parce que si vous voulez, j'ai acheté une noix de coco et j'ai trop envie de l'ouvrir moi-même. Parce qu'à chaque fois, quand je, par exemple, je vais en voyage et tout ça, c'est eux qui ouvrent des noix de coco, tu sais, avec les gros cisailles là. Oh, mais c'est chelou l'intérieur. Attends, c'est bon, ça fait. Et voilà. Je vais goûter, j'ai jamais c'est comme ça qu'on ouvre une noix de coco. Bois. Ah, mais c'est pas bon. Ah, c'est trop bon, goûte. Là, c'est pur, hein. Là, tu prends directement le jus. Ah, c'est trop bon. Ah, ouvre la bouche, oh. Vas-y. Ouvre la bouche. Ah. Oh, mec, c'est trop bon. Oh,
Oh, elle crie. C'est un peu de l'eau en fait. Bon les amis, en tout cas je vous laisse sur cette dégustation de noix de coco et de glace Ferrero. Je vous conseille vraiment 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 d'aller en acheter parce que c'était vraiment trop bon. Ça coûte un petit peu cher, mais franchement c'est trop bon. Ça mérite d'être vraiment goûté les amis. Et surtout, 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 va lâcher vraiment ton plus gros like, parce que s'il y a 3000 likes, on goûte la glace Raffaello. Et ça c'est vraiment à ne pas louper. En tout cas les amis, vous avez ma dernière vidéo qui s'appelle juste ici. Allez la voir juste après celle-ci. Et moi c'est Manon et je vous kiffe.